Astrid Ndangan est tout d'abord ingénieure de conception en transformation et contrôle qualité, sortant de l'Institut des sciences halieutiques de l'Université de Douala à Yabassi, ayant pénétré le marché camerounais petit à petit par l'emploi que je ne saurais citer, qui m'a été donné au laboratoire par le biais de professeur Tomedi et de professeur Chubunyan, qui sont les directeurs de l'Institut des sciences halieutiques, d'où j'ai commencé ma petite production dans le laboratoire de valorisation et contrôle qualité. Et le produit se faisant aimer par la population, nous avons commencé à s'étendre davantage sur le territoire camerounais. De là est venue l'idée de se rendre à Douala pour pouvoir facilement nous mouvoir sur le territoire en termes d'approvisionnement que de distribution de nos produits. Nous approvisionnons dans des débarcadères auprès des pêcheurs, dans des campements de pêche. Nous faisons des voyages. Nous allons rencontrer des pêcheurs dans les campements de pêche. Nous nous ravitaillons en poissons via les pirogues. Après l'approvisionnement, nous nous rendons dans notre unité de production qui est située à Bilongué, à la chefferie Lokmayangui. Nous commençons tout d'abord par le lavage de la matière première. Donc, arrivé à l'usine, les produits sont nettoyés, sont lavés. Ce premier lavage va en s'en suivre ensuite d'un deuxième lavage, puis d'un pré-traitement. Donc, on va écailler le poisson et puis lever le filet. Après avoir levé le filet, nous allons passer à la pesée. À la pesée, puis au broyage, comme vous l'avez vu tout récemment. Au broyage, par la suite, nous allons passer au mélange de notre chair broyée et de nos épices camerounais que nous allons par la suite mélanger et puis charger dans cette embosseuse, cette machine qu'on appelle l'embosseuse. Nous allons la charger à l'intérieur. À l'aide des boyaux, nous allons enfiler nos boyaux là et par la pression embosser notre farce qui a été préalablement introduite dans notre embosseuse. Nous allons obtenir un produit comme ceci, mais qui aura encore une ouverture là. Après le clipage, nous allons utiliser notre datteur pour pouvoir mettre les dates de péremption, les numéros de lot et les dates de fabrication qui seront par la suite cuits et également refroidis. Et après le refroidissement, nous allons les conditionner dans des glacières pour les différentes distributions dans nos supermarchés, nos points de vente, nos boutiques Made in Cameroun. De ce saumure-là, nous avons eu l'idée de j'ai eu l'idée de faire le saumure-là parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai été responsable, je suis responsable du laboratoire de valorisation de la ressource halieutique à l'Institut des sciences halieutiques. Avec la fréquence des TP, des TD que je dispensais aux étudiants, m'ont permis de prendre la main. À l'issue de toutes ces pratiques, parce que ces pratiques consistaient à montrer aux étudiants le savoir-faire d'un ingénieur en transformation. Ce savoir-faire-là, on avait l'habitude de s'amuser à créer des produits, en fait. On s'amusait à créer des produits, à remplacer les produits faits avec la viande par du poisson. C'est de là qu'est né le saumure de poisson et qui, par la suite, avec la multitude d'essais qu'on faisait avec les étudiants, ça m'a permis de prendre davantage la main et m'a galvanisé de pouvoir remettre le produit sur le marché. Le saucisson de poisson, il y a là, saucisson de chenou, saucisson
faite à base de la ressource et d'un cocktail, d'épices de chez nous. Je dirais que ce sont des poissons yola qui brisent les barrières culturelles et religieuses, qui peut autant être bien consommé par les musulmans puisque c'est un produit halal. La différence ici avec ces deux produits, vous allez voir au niveau, il y a d'abord une différence au niveau de l'emballage. Le rouge, ayola signifie le piment. Donc, lorsque vous voyez un saucisson avec cet emballage rouge, vous devez comprendre que c'est du saucisson pimenté. Et avec cet emballage blanc, ça c'est du saucisson non pimenté. Concernant les vertus de notre saucisson de poisson, nous avons dit que notre saucisson de poisson est un produit riche en protéines, également en oméga 3 et en oméga 6, qui sont des acides gras essentiels. Essentiels pourquoi? Essentiels parce que ce sont des acides gras qui sont apportés par l'aliment. Donc, l'organisme ne le synthétise pas. Le poisson ayant une grande quantité d'oméga 3 et d'oméga 6 sera très intéressant pour des femmes enceintes, des personnes âgées, des enfants, des adultes d'en consommer parce que il est très important dans la régulation du système nerveux. Et nous avons dit que le saucisson de poisson nous met à l'abri des maladies telles que l'hypertension artérielle parce que à l'intérieur de notre saucisson de poisson, vous n'allez aucunement consommer des acides gras saturés parce que le poisson, c'est une denrée consommée par toutes les cultures, également par toutes les religions. C'est un produit halal d'office. Le poisson est halal. N'a pas besoin d'un quelconque scénario pour l'être. Le saucisson de poisson est un produit halal. Donc, il peut être mangé par toute la communauté musulmane, par toute la communauté chrétienne et par tous. Nous distribuons nos saucissons de poisson dans les supermarchés tels que Carrefour, Market, Abunamoussadi, à Ekié, à Yaoundé, au Grand Mall également. Vous pouvez également trouver nos produits dans les boutiques Made in Cameroun, chez Ampiat, à côté de la mairie de Deido, chez Bro Market, également chez la boutique Les Macarions à Oja, à Fouda, chez Mom Market également, au Carrefour Intendance, au Centre Artisanal. Pour ce qui est du contact, nous sommes ouverts, nous sommes à votre écoute sur notre page Facebook qui est Saucisson de Poisson Yola by Astrine Dangan. Également sur notre page Instagram, Saucisson de Poisson Yola. Et nous répondons au numéro de téléphone 694-34-56-62. Ce qui concerne le financement, Yola a pu grandir par le biais des concours que nous avons. On a eu à concourir au Minimessa, par exemple, pour le salon artisanal. Nous avons concouru, on a eu des prix. Et je vous ai dit, j'ai commencé d'abord par un petit boulot à l'Institut des sciences halieutiques où le professeur Tomedi et le professeur Chubunyan, par leur confiance, m'ont donné la gestion du laboratoire de valorisation et de la ressource halieutique. C'est de là que j'ai commencé à avoir mes gains pour pouvoir petit à petit me mouler avec les TP que je donnais aux étudiants, me mouler de petit à petit faire des essais sur la production du saucisson. C'est de là que, avec la demande qui était de plus en plus grandissante, je me suis lancée
en prenant mes économies pour acheter des machines et également, également par l'aide de la famille et de mes collaborateurs également. Parce que je vais vous dire, pour qu'on puisse arriver à ce niveau, il a fallu que beaucoup de personnes se sacrifient. Il y a mes collaborateurs avec qui on travaille qui se sont vraiment sacrifiés pour qu'on puisse arriver à ce niveau et que pour nous, nous n'avons pas encore atteint notre objectif parce que nous voyons plus grand que ça et nous voulons nous étendre vraiment dans tout le territoire national tout d'abord et ensuite continuer crescendo par la zone CEMAC et pourquoi pas importer dans les pays européens. Mais notre objectif, c'est d'abord de saturer le marché camerounais parce que on se dit, si notre produit il est bon, il doit d'abord être bon pour nous, il doit être bon pour nos frères camerounais. On doit, puisque ce produit est un produit qui préserve, qui va nous mettre à l'abri de certaines maladies comme l'hypertension artérienne. On préfère d'abord préserver notre pays de cette maladie avant de voir par la suite comment faire pour s'étendre dans d'autres pays. Mais la priorité, c'est les Camerounais. C'est d'abord nous, les Camerounais, nous devons consommer ce produit en abondance avant de voir comment faire pour l'exportation. Et également, nous avons été soutenus par le ministère de la Jeunesse avec le financement du PTS Jeune, qui est le plan triennal jeune, qui est en train de suivre son cours pour le moment. Nous n'avons pas encore acquéri le matériel dont nous avons besoin, mais nous espérons que par la bonne diligence du ministre de la Jeunesse, nous arriverons à nos fins et que nous allons pouvoir booster notre capacité de production afin que tous les Camerounais puissent entrer à possession pour que ce produit en fait puisse être accessible à tous les Camerounais. Le Made in Cameroun actuellement est en train d'atteindre une autre dimension, je vais le dire ainsi. Parce que maintenant, dans le Made in Cameroun, ce sont des professionnels, ce sont des gens qui sont allés à l'école. Je vous ai dit plus haut que j'ai une formation en ingénierie et également je suis en thèse. C'est pour vous dire que les produits que nous mettons à votre disposition, ce n'est pas pour nuire à votre santé. Nous prenons des prédispositions au niveau de la sécurité sanitaire, tout en respectant les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication. Également, nous faisons des analyses microbiologiques de nos produits afin de pouvoir contrôler la qualité de notre produit tout au long de son séjour dans nos zones de distribution. Je dirais également que lorsque on met ce produit à votre disposition et que nous sommes dans une même localité, je pense que on devait plus avoir confiance à quelqu'un qui est proche de nous parce que on peut à tout moment lui demander, on peut à tout moment lui questionner ou lui demander pourquoi si et pourquoi pas ça. Or, lorsque les produits viennent d'ailleurs, vous ne connaissez pas comment ces produits ont été faits. Vous ne connaissez pas les qui le font, où est-ce que ça se fait, mais vous le consommez. Pourtant, lorsqu'un produit est camerounais, lorsqu'un produit est local, je vais dire local parce que même si c'est sénégalais ou ivoirien, lorsqu'un produit est local, vous avez la possibilité de suivre le produit tout au long du processus, de l'approvisionnement jusqu'à la distribution. Vous êtes capable de le faire. On est capable de suivre les produits là tout au long de son séjour. Donc, raison pour laquelle nous faisons des analyses, comme on vous a dit, par l'aide de l'APME, qui est aussi un État, qui est également une entreprise étatique. L'APME
qui met à notre disposition des analyses microbiologiques et bromatologiques. Et nous le faisons sur différents lots que nous mettons à votre disposition. Je vais chuter tout en disant que l'État camerounais, pour cela également, a des devoirs. Ses devoirs, c'est de nous suivre de bout en bout, pas uniquement financièrement. L'État ne doit pas s'arrêter au niveau des finances. Lorsque vous financez notre projet, s'il vous plaît, essayez de suivre ce projet-là pour qu'il puisse pouvoir sortir de l'ombre. Essayez de nous suivre quotidiennement, que ce soit au niveau de la fiscalité, de la comptabilité, de la distribution, de la communication. Suivez-nous. Je sais que l'État a des moyens pour pouvoir le faire. Si on a des programmes dans des chaînes ou alors si on impose des programmes dans des chaînes télévisées pour permettre de faire connaître les produits camerounais, des produits locaux, ou alors si on fait des publicités en masse des produits locaux dans des différentes chaînes camerounaises, je pense que la tendance va un peu changer à ce niveau-là. Je pense que les artisans, le Made in Cameroun a un gros problème parce que nous ne produisons pas en quantité suffisante. Je veux dire suffisante parce que lorsque nous produisons peu, notre coût de production est bas. Et notre coût de production, autant pour moi, est élevé. Et ce coût de production élevé aura un impact sur le produit final. Raison pour laquelle il faudrait que l'État mette des voies et moyens de pouvoir mettre à la disposition de tous les artisans du Made in Cameroun de pouvoir booster leur production. Pourquoi pas? Et également d'instaurer des emballages qui peuvent même être payés par des entrepreneurs. Si l'État camerounais met en place une société uniquement pour les conditionnements et les emballages des produits de la locale du Cameroun, je pense qu'on aura pu importer les emballages, on aura pu importer un certain nombre de matériels et cela va booster l'économie, cela va booster les producteurs et cela va diminuer le taux de chômage au Cameroun. Je ne saurais terminer sans dire merci à ma famille, à ma famille, la famille Fokmo et la famille Dangan, et également à tous mes proches qui vont se reconnaître, à tous mes proches. Et à l'Institut des sciences entières, parce qu'il n'y a pas que professeur Chubunya et professeur Tomedi, il y a également tout le staff à mes enseignants qui m'ont moulé et qui ont permis à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui et à qui je demande de continuer pour que je puisse donner le meilleur de moi. Je vais dire également merci à tous mes collaborateurs, à tous mes collaborateurs avec qui nous travaillons quotidiennement pour les sacrifices qui passent le temps, tout le temps à faire. Je leur dis grandement merci. Je dirais également merci à mon petit frère et ma petite sœur, parce que nous ne sommes que trois. Et à ma défunte maman et à mon défunt papa, de là où ils sont, je leur dis merci. Merci pour l'éducation et pour tout ce qu'ils ont, pour tout ce qu'ils ont œuvré de sorte que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Et merci à mes futurs collègues. Merci à mes futurs collègues avec qui, pour le moment, nous sommes en stage. Et merci également à Oudou, qui a pris la peine de venir nous dénicher jusqu'à Bilongue pour pouvoir nous écouter et nous valoriser. Merci.